Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième table ronde des 24 heures du climat, intitulée donc Préserver la forêt française, après la table ronde précédente qui s'est intéressée à la question de la déforestation importée. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Damien Barchiche, le directeur du programme Gouvernance du développement durable au sein de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et nous allons le voir ensemble ce matin. Les forêts en France occupent une place importante. 16,9 millions d'hectares, soit 31% du territoire, dont près des trois quarts de cette surface sont des forêts privées. Mais également, un gros tiers de ces forêts sont aussi des forêts tropicales, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, la forêt française est aujourd'hui en fait la quatrième forêt européenne par sa surface. Ces forêts remplissent un certain nombre de fonctions, et on y reviendra, parmi lesquelles le stockage du carbone, gisement de biodiversité et production du bois. Et évidemment, la forêt française est confrontée au dérèglement climatique, aux conséquences de plus en plus fréquentes, dépérissements, tempêtes, incendies, etc. Et on voit aussi émerger un certain nombre de conflits d'usage du bois qui commencent à apparaître. Face à ce constat, la question qui nous est posée et à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment concilier la préservation de nos forêts des puits de carbone qu'elles représentent et de la biodiversité qu'elles abritent avec les différents usages du bois. Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir un panel d'intervenants riches et variés. Donc, tout d'abord, Madame Sophie Mette, qui est la députée MODEM de la 9e circonscription de Gironde. Madame Claudine Richter, la chef du département Recherche, Développement et Innovation de l'Office national des forêts, qui s'occupe de la gestion des forêts publiques. Madame Julia Grimaud, qui est chef de projet agriculture et forêt chez I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Madame Aline Favrel, qui est la coordinatrice du réseau forêt au sein de l'ONG France Nature et Environnement. Et enfin, Monsieur Vincent Naudet, qui est le directeur général adjoint des pépinières Naudet. Et pour clôturer cette table ronde, nous aurons la chance d'avoir avec nous Madame Bérangère Abba, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la biodiversité. Pour entrer tout de suite dans la discussion, on va essayer tous ensemble de se poser une question un petit peu provocatrice, mais finalement, la forêt française, pourquoi faire? Hein? Qu'est-ce qu'on doit en attendre, si on doit en attendre un certain nombre de choses, et essayer de dresser un petit peu ensemble un état des lieux de ces forêts, au pluriel, en France. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à Madame la députée, Madame Sophie Mette. Vous avez la parole. Bah, on ne vous entend pas. Il faut que vous acceptiez. Voilà, désolée. Merci, Monsieur Barchiche, de cette présentation. Donc, effectivement, je suis la députée de la 9e circonscription de Gironde, située dans le massif des Landes. Parler de la forêt en France est une simplification, c'est presque un barbarisme compte tenu des immenses différences qui existent entre les nombreuses étendues de forêt françaises. Des différences en termes d'espèces d'arbres, de biodiversité, d'activités économiques qui existent ou non suivant les régions. 75% des forêts françaises sont privées, 15% sont publiques et appartiennent à des collectivités, et 10% sont domaniales et appartiennent à l'État. 138 espèces d'arbres forestiers sont enracinées en France, ce qui traduit une biodiversité dont la richesse est certaine. Les principales espèces sont le chêne, le hêtre et le pin, bien connus en Gironde. Vous me dites la forêt française, pourquoi faire? 1000 réponses existent. Dans mon cas, députée girondine et présidente du groupe d'études éco-construction à l'Assemblée nationale, j'ai quelques idées plus précises. Sur le territoire des Landes de Gascogne se trouve le plus important massif forestier cultivé et aménagé d'Europe, environ 1 million d'hectares. Le pin maritime l'occupe depuis longtemps et aujourd'hui la forêt des pins reste perçue comme un élément identitaire majeur de l'Aquitaine. Partout en France, nous aimons cette nature qui nous préexiste et nous devons faire en sorte qu'elles nous survivent. Nous aimons ces paysages, nous vivons et travaillons avec eux. La filière forêt-bois revêt une importance stratégique dans l'économie des territoires et tient une place particulière dans la construction de demain qui devra être verte et compétitive.
Le plan climat 2050 prévoit d'atteindre la neutralité carbone et pour cela un objectif de mobilisation supplémentaire de bois de 12 millions de mètres cubes d'ici 2026 a été fixé par le programme national forêt-bois 2016-2026. La stratégie nationale bas carbone recommande de privilégier les usages du bois à longue durée de vie dans le bâtiment. Ces points nous invitent à accélérer l'activité de cette filière et de l'accompagner. Pour 16 millions d'hectares de bois, la France compte environ 440 000 emplois. À titre de comparaison, l'Allemagne en compte entre 900 000 et 1 million pour 11 millions d'hectares. Ces chiffres ne doivent pas servir à nous décourager, mais au contraire, à nous faire prendre conscience du potentiel formidable de notre pays en matière de bois. À l'instar des constructions d'Europe du Nord, par exemple, nous devons développer notre culture en construction bois. D'ailleurs, ici, dans les pépinières Naudet, on peut constater qu'ils ont fait un bâtiment en bois et je suis très fière de cette réalisation. Je pense que le gouvernement a pris la mesure du potentiel de nos forêts. Dans le plan de relance, ce sont 200 millions d'euros qui y sont alloués. C'est inédit. Le ministère de l'Agriculture affiche l'objectif de planter près de 45 000 hectares de forêts en augmentant les surfaces plantées, en régénérant les surfaces existantes et en reconstituant celles qui ont dépéri, notamment en raison des attaques de scolytes dans l'est de la France. Pour y parvenir, un fonds de 150 millions d'euros doit être créé pour soutenir les propriétaires forestiers, publics et privés. Le plan de relance prévoit également un renforcement des dispositifs de soutien aux entreprises de la filière bois, ainsi qu'une cartographie en haute définition des massifs. La filière française souffre d'un tissu industriel encore trop peu développé et dans le domaine de la transformation du bois, la France est par exemple contrainte à exporter de grandes quantités de bois coupé pour réimporter le bois transformé. Il faut refuser ces effets, lutter en faveur de notre souveraineté nationale et au moins européenne. C'était ma position sur cette première question. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Madame Claudine Richter, du point de vue de l'ONF, finalement, qu'est-ce qu'on doit attendre des forêts? Alors, du point de vue de l'ONF, en fait, vous l'avez dit, la forêt métropolitaine, ça représente quelque 31% de cette surface de notre paysage national. 10% de forêts publiques, 15% de forêts de collectivité. Donc voilà, au niveau de l'ONF, on est mobilisé sur une gestion durable de ces surfaces sur 25% du territoire. Je voudrais juste peut-être mentionner par rapport à l'intervention de Madame Metz, qu'effectivement cette forêt française, elle tient une position de rang important au niveau européen puisque c'est la quatrième forêt européenne et en termes de volume de bois sur pied, elle se classe aujourd'hui à peu près au deuxième rang, au même niveau que la Suède. Alors, contrairement aux idées reçues par rapport à ce que l'on peut entendre au niveau de ce qui peut circuler au niveau d'informations, il faut savoir en fait que c'est une forêt qui est en extension et qu'aujourd'hui, en fait, par rapport au 19e, on est sur une surface forestière qui a doublé. Et une tendance en fait qui se manifeste également sur ces 30 dernières années. Cette forêt française métropolitaine, et la part également gérée par l'ONF, elle est majoritairement issue de forêts semi-naturelles. Cette forêt semi-naturelle, comme Madame Hett l'a signalé, elle est un réservoir de diversité d'espèces forestières. Elle est majoritairement aujourd'hui composée d'essences feuillues, puisque au global, deux tiers de la surface forestière est composée d'essences feuillues. Et elle abrite une biodiversité importante, que ce soit au niveau des mammifères, des oiseaux, des diversités de champignons, d'insectes, etc. Donc c'est un vrai patrimoine, support de biodiversité. On a également au niveau du territoire des forêts plantées. Ces forêts plantées représentent 13% en fait de ces 17 millions de surfaces forestières. Et ces surfaces plantées, elles sont aujourd'hui très importantes. Elles sont majoritairement résineuses et elles sont importantes parce qu'elles contribuent très fortement en fait, à l'approvisionnement, à la mobilisation de matériaux bois nécessaires à notre économie. Si je reviens en fait sur les forêts semi-naturelles,
Pourquoi ce terme? Parce qu'on a effectivement une forêt en France aujourd'hui qui se renouvelle quand même essentiellement par la régénération naturelle. Donc en fait, au niveau de l'ONF, on a une responsabilité de gestion de ce patrimoine naturel important, générateur d'emplois, qui est voilà, un élément fort de notre paysage, un élément support de biodiversité, support économique. Donc qui, voilà, on a une responsabilité de gestion durable voilà, par rapport à tous ces services qu'expriment et que rendent nos forêts. Merci beaucoup. Et du coup, Adeline Favrel, pour France Nature Environnement, à quoi ça sert la forêt? Alors, je pense que je vais compléter la description qu'a commencé à en faire Madame Claudine Richter. Nous, ce qui va nous intéresser quand on se promène en forêt, quand on veut préserver et protéger les forêts françaises, c'est la diversité, c'est les différentes fonctions qu'elles assurent. Donc, évidemment, on en a un petit peu parlé déjà pour commencer la fonction de refuge de biodiversité à la fois dans les forêts métropolitaines, encore plus dans les forêts d'outre-mer. On n'en a pas encore parlé, mais on a aussi un territoire très boisé en outre-mer, par exemple notamment en Guyane, et on se retrouve sur des forêts très différentes. On est sur de la forêt tropicale avec une diversité extrêmement riche. On est à près de 80% de biodiversité dans ces forêts. On en retrouve évidemment dans les forêts métropolitaines, mais voilà, on va avoir, ça va être les forêts un refuge de biodiversité. Au-delà de ça, elles assurent d'autres fonctions qu'on ne pense pas tout le temps. Par exemple, c'est pour la filtration de l'air, la filtration de l'eau. Évidemment, une fonction aussi, donc ce qu'on va dire, de puits et de réservoir de carbone. Elles sont capables d'absorber le CO2 dans l'atmosphère et de le stocker dans les arbres. Je pense que Julia Grimaud de l'Institut économique pour le climat y reviendra plus en détail, donc je ne vais pas rentrer sur ce côté-là. Et donc du coup voilà, un ancrage des sols, on a planté des forêts en montagne pour éviter tout ce qui est éboulement de terrain, mais on va aussi avoir d'autres rôles, un rôle notamment de lieu, alors particulièrement pour les forêts publiques, de lieux de culture et de loisirs, où les gens vont pour randonner, pour se promener, mais pour faire du VTT des fois aussi, mais également pour aller chercher des champignons, du muguet. Donc en fait, ces forêts, elles assurent différentes fonctions. Pour nous, il est important de maintenir cette diversité au sein des forêts, au sein de nos forêts, de façon à ce pouvoir que les forêts aujourd'hui assurent et encore demain assurent leurs différentes fonctions qui nous sont toutes utiles, et j'en ai oublié une et donc je prends encore une minute, évidemment la fonction de production de bois qui a été déjà expliquée par Madame la députée. Donc voilà, c'est aussi important et on ne l'oublie pas, hein, ça fait partie des fonctions de la forêt, donc de production de bois pour le matériau notamment, pour avoir des constructions en bois qui sont aussi très importantes. Il faut arriver à conjuguer toutes ces fonctions dans la forêt de façon à pouvoir voilà, préserver nos forêts pour pouvoir qu'elles continuent à assurer toutes ces fonctions. Merci beaucoup. Et alors du coup, Julia Grimaud, on nous parle souvent de l'importance des forêts pour le climat, mais du coup, qu'en est-il au niveau français? Alors effectivement, du point de vue du climat, en fait, la forêt, et plus spécifiquement la filière forêt-bois, a un rôle assez particulier, puisque c'est une des rares filières, qui est la seule même avec l'agriculture, avec une partie de l'agriculture, à pouvoir en fait agir sur les deux volets de la neutralité carbone. Donc quand on a nos objectifs climatiques de neutralité carbone, donc c'est-à-dire que nos émissions résiduelles doivent être contrebalancées par des absorptions, des puits équivalent, donc ça c'est l'objectif que la France s'est fixé à l'horizon 2050, ben finalement la filière forêt-bois, elle va d'un côté nous permettre d'absorber plus de CO2 via les puits de carbone, et aussi d'aider à la décarbonation des autres secteurs économiques. Donc je voulais justement revenir sur les différents leviers en fait d'atténuation dont on parle quand on parle de la forêt, et plus spécifiquement de la filière forêt-bois. On va avoir le volet de séquestration, donc le volet de puits, qui est finalement, voilà, comme l'a dit Adeline, la capacité des forêts à absorber plus de CO2 qu'elles n'en émettent et à stocker ce CO2. Donc ça va, ce rôle de puits de carbone va fonctionner, on va dire, dans la biomasse, mais aussi dans les sols. Donc c'est assez important. En France, on a à peu près, alors bon, ça dépend quel chiffre on prend, mais on a grosso modo 50 millions de tonnes de puits forestiers. Donc les forêts absorbent tous les ans 50 millions de tonnes de plus qu'elles ne réémettent, ce qui correspond plus ou moins à peu près 12% de nos émissions. Donc ce qui est quand même un poids important pour l'atteindre, on va dire, de la neutralité carbone physique de la France. Mais aussi, comme ça a été dit aussi précédemment par Adeline notamment, les produits bois vont aussi avoir un double rôle de stockage
et de décarbonation. Donc on va avoir le rôle de stockage du carbone dans les produits bois, c'est-à-dire que tous les produits qui ont une longue durée de vie, donc effectivement surtout dans la construction, les charpentes, etc., vont avoir la capacité de stocker, de conserver le CO2 pendant plusieurs années, voire décennies. Et donc ce réservoir finalement annuel, il est bon, beaucoup plus petit que le puits forestier. En ce moment, on est entre 0 à 4 millions de tonnes de CO2 par an, donc en fonction des chiffres qu'on prend. Mais on voit que c'est un réservoir qui va être très important dans la stratégie nationale bas carbone, puisque la stratégie nationale bas carbone, pour l'instant, prévoit de le faire passer à 20 millions de tonnes en 2030. Donc c'est potentiellement un levier qui va être beaucoup plus important dans le futur. Et enfin, on a ce qu'on appelle les effets de substitution, c'est-à-dire que les produits bois vont pouvoir se substituer à des matériaux plus énergivores, par exemple dans la construction comme l'acier ou le béton, ou à des énergies fossiles, et que du coup, en utilisant du bois à la place de ces matériaux ou énergies, on va pouvoir éviter les émissions liées au processus de production du béton, liées aux énergies fossiles. Donc c'est ce qu'on appelle alors les 3, 4 ou 5 S, hein, ça dépend comment on compte, mais ce sont les différents leviers en fait, d'atténuation dans la filière. Et donc ce qui est important de retenir, c'est que finalement, on va avoir donc le volet puits, les volets produits, que tous ces leviers sont importants, mais qu'on ne peut pas forcément tous les maximiser à un même horizon de temps donné. Donc si on prend une date, par exemple au hasard 2050, on ne va pas pouvoir maximiser tous ces leviers. Donc il y a un enjeu d'arbitrage, il y a un curseur à placer sur à quel point on veut favoriser le puits forestier, prélever plus de bois pour favoriser les produits. Il y a un équilibre en fait, à trouver entre ces différents usages et ces différents leviers. Merci beaucoup, Julia Grimaud. Du coup, quid des acteurs économiques? Alors, monsieur Naudet, et si vous pouvez nous dire de votre point de vue en tant qu'acteur économique, qu'est-ce qu'on peut attendre de la forêt et qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci de me faire intervenir sur ce sujet. Je voudrais simplement rappeler un peu le cadre des pépiniéristes forestiers. On est 92% de la production de plants forestiers regroupée au sein d'un syndicat, le syndicat national des producteurs de plants forestiers, et le SNPF, et nous sommes affiliés à la Fédération nationale du bois qui nous a sollicité pour qu'on s'affiche à leur côté, alors que initialement, il y a une vingtaine d'années, les pépiniéristes étaient regroupés au sein de l'horticulture et des pépinières dans une fonction plus de production, alors que maintenant le syndicat s'est affiché dans une option stratégique pour favoriser la plantation. Alors, je voudrais juste déboucher sur l'état des lieux. L'état des lieux aujourd'hui de la forêt française telle qu'on la voit, c'est que la forêt française, comme le disait Mme Richter, est à 70% feuillue et 30% résineuse. Mais ce qui ne colle pas vraiment avec l'utilisation qu'en font les scieurs, puisque 80% des sciages en France, donc qui sortent des scieries, sont des sciages de résineux. Donc on a une inadéquation entre l'offre et la demande, ce qui fait que au niveau économique, on a un déficit commercial important, alors qu'il faut aussi analyser, puisqu'il y a des sciages qui pèsent pour une partie non négligeable, mais il y a aussi tout ce qui est pâte à papier qui est aussi beaucoup plus important. Mais en tout cas, le déficit commercial de la France pour les produits bois est le deuxième déficit commercial derrière le pétrole. Voilà, donc ceci étant dit, quand on revient sur la structure de la forêt française, on s'aperçoit qu'elle a été majoritairement issue de la régénération naturelle. En France, on plante très peu et je veux dire, on plante de moins en moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantations ont été divisées par 4 depuis les années 90, c'est-à-dire depuis l'arrêt du Fonds forestier national. Et à ce titre-là, on en parlera plus dans la troisième partie, mais nous saluons bien évidemment la décision d'investissement dans le reboisement comme hautement salutaire pour notre forêt. Voilà, si on veut comparer un peu les chiffres au niveau plantation, en France, on plante 70 millions de plants par an. À titre de comparaison, les Allemands, nos voisins qui ont un massif 30% inférieur au nôtre, en plantent 300. Voilà, on est certainement... il y a une étude qui a été publiée par France Bois Forêt cette année
Et la France se situe dans le peloton de queue en termes de reboisement, alors que c'est le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, mais on a un changement climatique qui arrive à grande vitesse et qu'il va falloir adapter la forêt et l'adapter de façon à ce qu'elle soit la plus résiliente possible. Voilà, le défi est important et il y a une filière qui est là pour le relever. Voilà, merci. Merci beaucoup et merci pour ce début de transition. Du coup, et effectivement, on est dans les 24 heures du climat et donc la question, c'est comment finalement le changement climatique vient perturber tout ça et comment ça change un petit peu la donne. Claudine Richter, est-ce que vous pouvez commencer à nous éclairer un petit peu sur ce sujet? Alors, oui, effectivement, donc, il y a aujourd'hui une évidence des impacts profonds des changements climatiques sur nos forêts. En changement climatique, comme principal effet déjà observé un réchauffement du climat, une augmentation des sécheresses. Mais on s'attend également à un climat aussi qui sera plus variable avec des événements extrêmes, des températures, des pics de chaleur extrêmes, des périodes de sécheresse prolongées, également des périodes de pluie plus intenses. Alors, sur les forêts, un des effets bien observés, en fait, c'est déjà la modification des cycles de végétation. Alors, la saison, elle s'allonge principalement par un démarrage plus précoce de la végétation. Mais globalement, on assiste, en fait, avec ce phénomène de changement climatique, à des modifications du fonctionnement des écosystèmes forestiers, à des changements profonds de la démographie, en fait, des espèces, de leur abondance, de leur dispersion, de leur reproduction. Et ça, on le voit en particulier, c'est bien renseigné par la communauté scientifique au niveau des zones de montagne. Alors, la forêt, elle a toujours été en constante évolution, mais ce qui nous préoccupe et ce qui constitue la différence actuelle, c'est la vitesse en fait, de ces processus qui sont liés directement aux impacts des activités humaines et du changement climatique. Pour nous, aujourd'hui, le changement climatique, c'est une réalité qui menace la forêt avec des effets qui s'accélèrent. Alors, les sécheresses successives, et celles qu'on a connues là sur ces trois dernières années, fragilisent réellement les peuplements. Les effets de ces sécheresses les rendent plus vulnérables aux maladies, aux attaques de ravageurs, dont les cycles eux-mêmes sont modifiés par les changements climatiques. Sur ces dernières années, on vient d'enregistrer des records successifs de température, des sécheresses qui se prolongent. Ces chocs climatiques, en fait, sont à l'origine de certaines crises forestières actuelles, notamment celle qu'a rappelée Madame Maître dans l'introduction, une grande crise qu'on connaît actuellement dans le quart nord-est de la France, avec des dépérissements massifs d'épicéas liés aux scolytes. On a également des mortalités dans d'autres territoires, sur d'autres essences, sur les hêtres, sur les sapins, sur les pins sylvestres. Et dans le centre de la France, on vient de mettre là les chênaies du centre de la France, ou étroite observation, avec des phénomènes de dépérissement qui sont plus diffus. Alors oui, la situation, elle est aujourd'hui préoccupante, et ce qu'on peut peut-être dire de manière pour la caractériser, c'est effectivement d'une part des situations de forêt qui sont aujourd'hui entrées en crise. Donc voilà, on est face aujourd'hui à la gestion de crise, et ça doit mobiliser effectivement l'ensemble des acteurs. Et par ailleurs, face à un énorme challenge aussi, sur la globalité de nos surfaces, à des forêts qui sont aujourd'hui peut-être affectées plus discrètement, avec des vulnérabilités qui sont plus latentes, et des situations aussi qui sont hétérogènes selon les territoires et sur lesquels on doit mettre en œuvre des actions d'adaptation de ces forêts. Merci beaucoup. Et du coup, Julia Grimaud, comment finalement ce changement climatique vient aussi finalement perturber ce qu'on peut attendre des forêts en matière de contribution à la mitigation et à l'adaptation au changement climatique?
Alors effectivement, oui, c'est une très bonne question parce qu'on va voir que les deux sont intimement liés. Effectivement, ce qu'on voit en fait paradoxalement, c'est que depuis 70 ans, le changement climatique a eu plutôt tendance, on va dire à l'échelle macro, à doper la croissance des arbres et à doper les puits de carbone. C'est-à-dire qu'on avait un effet qui s'appelait la fertilisation par le CO2, qui faisait que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avait plutôt tendance à booster la croissance des arbres et donc le puits. Ça, c'était, on va dire, dans les 70 dernières années, sauf que, en fait, maintenant, bah, non seulement on n'est absolument pas sûr que cet effet perdure, mais en plus, on a effectivement, comme la Claudine Richter l'a dit aussi, beaucoup plus de plus en plus d'indications qui pointent vers le fait que la tendance pourrait se renverser. Donc là, en fait, à l'échelle macro, on va avoir des modèles qui divergent un peu sur cette question-là. Donc, qui vont prédire que cet effet, on va dire, de croissance accrue va se prolonger encore, et d'autres, effectivement, qui même pointe vers une potentielle saturation des puits forestiers, donc à certaines échelles, on va dire dans certaines régions, y compris en Europe, il y a certaines études qui ont commencé à pointer déjà ça. Donc les forêts finalement pourraient, si elles, à cause de l'impact du changement climatique, pourraient finalement ne plus séquestrer, on va dire, autant que ce qu'elles réémettent. Et on a même effectivement certaines études qui commencent à pointer le fait que dans certaines régions, les forêts pourraient devenir aussi des sources de carbone, donc réémettre plus de CO2. Donc c'est vrai que là-dessus, sur les pronostics, on va dire, macro, il n'y a pas de tendance très claire, mais on voit qu'on a aussi beaucoup, nous, d'indications et d'événements extrêmes, hein, comme ça a été déjà mentionné ces dernières années. Donc on voit les incendies un petit peu partout dans le monde, en Australie, en Californie, en Amazonie, etc. Et on a vu en France, effectivement, depuis 2-3 ans, les dépérissements massifs liés effectivement à une combinaison de sécheresse, d'attaques sanitaires, et dont on peut supposer que l'impact, on va dire, du climat, donc l'augmentation des températures, plus effectivement le fait qu'on va avoir une plus grande variabilité climatique, accentue finalement ces effets et ces dépérissements dans les années qui viennent. Et donc clairement, ça impacte complètement finalement la stratégie d'atténuation, parce qu'on a parlé donc des différents leviers, maintenir le puits forestier, développer des produits de bois, notamment à longue durée de vie. Mais effectivement, il faut qu'on puisse s'assurer qu'on ait bien des forêts en bonne santé, un puits forestier qui demeure et voilà, des essences qui continuent à pousser suffisamment vite, à produire aussi, à être capable de produire les bons types de produits. Et donc, ça pose tout un tas effectivement, de questions de gestion sur la hauteur des prélèvements, le choix des essences, la diversité et effectivement, dans quelle mesure il faut gérer la crise et en même temps être proactif sur justement l'anticipation des impacts à venir. Et donc peut-être juste pour conclure là-dessus, le point que je voulais aussi mentionner, c'est qu'effectivement la stratégie d'atténuation va être complètement conditionnée à la réussite de notre stratégie donc d'adaptation et d'amélioration, on va dire, de la résilience des peuplements. Si on n'a pas de forêt ou pas de forêt en bonne santé, on aura du mal à atténuer quoi que ce soit via la forêt ou les produits. Et que du coup, ça pointe aussi au dernier point qui était que le puits forestier, on ne va pas pouvoir compter très massivement à l'échelle française ou européenne sur un triplement, quadruplement du puits forestier pour contrebalancer nos émissions. Parce que l'enjeu, ça va être de maintenir ce puits, éventuellement de l'augmenter un petit peu. La stratégie nationale bas carbone propose des pistes. Mais en tout cas, l'enjeu, ça va être déjà de s'assurer qu'on maintient notre puits actuel, qu'on maintient la capacité à produire donc les produits bois. Et dans tous les cas, du coup, l'enjeu va être vraiment sur la réduction assez drastique de nos émissions. Donc les puits vont être très importants, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver, quoi, pour résumer en deux mots. Merci beaucoup, Julia. Adeline Favrel, vous avez insisté sur la dimension, enfin la multifonctionnalité en fait, de la forêt. Et du coup, finalement, le changement climatique, en quoi il vient perturber tout ça et peut-être mettre en difficulté la forêt dans ce rôle-là? Oui, en effet, comme les deux intervenantes avant moi, au niveau des ONG, on est très inquiet de l'état de santé général des forêts françaises. Quand il suffit de se promener en forêt et de savoir un petit peu où regarder pour voir de nombreux dépérissements, dans l'Est, certes, mais pas seulement, ailleurs aussi. Forêt de sud-ouest, par exemple, il y a des chênaies qui sont aujourd'hui attaquées par le hanneton et dont les régénérations naturelles ne prennent pas et même les plantations ne prennent pas. Donc, du coup, il y a des vraies inquiétudes sur l'état de santé des forêts et on sait que c'est dû au changement climatique. Par rapport à ça, du coup, on est d'accord aujourd'hui qu'il va falloir adapter nos forêts pour avoir des forêts résilientes pour demain, pour avoir un puits de carbone forestier, justement, comme le disait Julia. Pour nous,
L'adaptation, elle est nécessaire, mais ce ne doit pas être un blanc-seing à faire tout et n'importe quoi. Cette adaptation, elle, déjà, premièrement, elle doit comprendre une part sur la nature, c'est-à-dire par exemple laisser des forêts en libre évolution où on parlait tout à l'heure de peu de plantations, mais la régénération naturelle qui est beaucoup pratiquée en France, ça permet d'avoir des plants, enfin pas des plants mais des graines, qui sont, si l'arbre a fait des graines et si ces graines poussent et font des arbres, qui potentiellement seront adaptés au climat déjà local et peut-être futur. Donc quand la régénération naturelle existe, la laisser faire. Mais on sait que partout ce ne sera pas possible, on en a bien conscience aujourd'hui, et donc dans certains cas il va falloir peut-être planter d'autres essences, il va falloir tout simplement planter même, notre ligne c'est maximiser nos chances. Pour ça, ça va être de parier sur la diversité, notamment la diversité des essences. On ne sait pas demain ce qui va tenir ou ce qui ne va pas tenir, et on a du mal au niveau des études. On parle pas à l'échelle, on est à l'échelle d'une forêt, on ne parle pas à l'échelle de 2 ou 3 ans, on parle à l'échelle de 50, de 100 ans. Et pour ça, si on a, pour reprendre l'adage, pas mis tous ses œufs dans le même panier, donc on a par exemple différentes essences, planter différentes essences, alors peut-être que certaines résisteront mieux que d'autres. On va aussi favoriser la résilience et des massifs forestiers, et ensuite cette diversité va permettre de maintenir justement la biodiversité qui va aider elle aussi à la résilience des forêts et maintenir cette multifonctionnalité qui pour nous est importante et qui nous tient à cœur. Donc voilà, il va falloir, pour avoir des puits de carbone demain, pour avoir des forêts demain aussi, s'il est nécessaire de planter, penser à la diversité et notamment la diversité des essences. Merci beaucoup. Monsieur Naudet, du coup, vous nous aviez commencé à évoquer un petit peu finalement l'impact du changement climatique aussi sur la dimension économique de la filière forêt. Qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'acteur économique? Alors, on a parlé de tous les dangers qui menacent la forêt et Claudine Richter nous a fait un bonne description de ce qui arrive et ce qui risque d'arriver. Moi, on a parlé des scolytes, on n'a pas parlé de la calarose qui est quand même... Alors, c'est un petit peu hors schéma changement climatique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une forêt qui est fragilisée par des changements climatiques, elle devient vulnérable à tout un tas de menaces et il peut y avoir des catastrophes. Donc, il y a la calarose qui s'attaque au frêne, qui est une espèce majeure en France. On a le Xylella qui est déjà présente dans certains points du pays. On a aussi les nématodes du pin au Portugal qui sont pas très loin de chez nous. Donc effectivement, les menaces, elles sont là, elles sont très présentes et il faut absolument qu'on arrive à les contrer. Alors, on sait que le changement climatique, c'est les scientifiques, c'est l'INRA qui nous le dit, avance à une vitesse de 10 km par an. 10 km par an, c'est énorme, et ça veut dire que la nature, elle, la vitesse à laquelle elle peut s'adapter, est quantifiée à 1 km. Donc, on a un facteur de 1 à 10. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que disait Adeline Favrette, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut garder la régénération naturelle quand elle est là parce qu'elle va apporter une source qui ne sera pas forcément adaptée à terme, mais qui en tout cas ponctuellement existe et elle fait partie de la biodiversité. Mais il faut cette régénération naturelle, il faut qu'elle soit enrichie par quelque chose de nouveau qui sera, enfin qu'on essaiera d'avoir mieux adapté que ce qui a été planté par le passé. Et je crois que la solution, elle ne peut pas se faire. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution. Il faut tout. Pas de solution unique. Ça sera forcément un compromis. Ça sera forcément un mixte avec plusieurs solutions. Je voudrais parler diversité. La diversité est très importante là-dedans. Alors, je vais distinguer deux diversités. Il y a la diversité
entre les espèces, et ça, tout le monde le comprend et c'est admis, et il faudra planter plusieurs espèces pour maximiser les chances d'avoir une forêt qui tienne la route à terme. Mais il y a aussi la diversité intraspécifique, et là, je voudrais mettre en avant les progrès qui ont été réalisés par la recherche française en particulier sur les variétés forestières améliorées. Alors, elles sont améliorées, ces variétés, parce qu'elles produisent plus, elles sont mieux adaptées, mais elles sont surtout améliorées parce que la base génétique sur laquelle les graines vont être récoltées, si je peux parler ainsi, est extrêmement vaste et beaucoup plus vaste que ce qui se faisait dans les années passées. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Si on prend les vergers à graines aujourd'hui qui fournissent 90% des résineux plantés en France, et ben c'est le produit de ces vergers est beaucoup plus résilient que ce qu'on peut obtenir avec une régénération naturelle qui forcément ne va multiplier que ce qui est sur place et c'est souvent une base génétique très étroite. Donc ceci étant dit, il est important de garder tous ces éléments-là en tête de manière à ce que le schéma dont on va parler plus tard soit parfaitement adapté. En tout cas, on ne pourra pas le déterminer de façon précise et de façon certaine, mais il faut qu'on prenne toutes les sécurités pour que on ait le maximum de chances de réussir. Merci beaucoup. Et enfin, sur ce point, Madame Met, en tant que députée élue dans un territoire où vous avez forêt, quelle est la lecture que vous faites des changements climatiques et de l'impact que ça a sur ces forêts? Alors, je partage beaucoup de choses qui ont été dites hein, par les différents orateurs, bien sûr. On va dire qu'ici, l'image donnée en Gironde, elle est peut-être plus complexe. Aujourd'hui, la sécheresse, elle nuit bien sûr à notre forêt. Elle découle du réchauffement climatique et favorise les départs d'incendies. La Gironde, cet été, en a connu d'importants, notamment sur ma circonscription, le Tuzan, en Gironde et dans les Landes aussi. Voilà, ce sont deux départements qui ont souffert de départs de feu, mais malgré tout, ils sont moins impactés que d'autres départements. La biodiversité, bien sûr, est touchée par ce dérèglement, puisque la chaleur touche à la fois les animaux et les arbres. L'ONF le sait très bien, le sapin ou le hêtre deviennent squelettiques en période de canicule. L'arbre ne peut plus se défendre du scolite par l'englument, comme il le fait avec des températures plus classiques qu'on pouvait connaître avant. Et cette seconde difficulté participe d'autant plus à sa mort. On pense moins, mais il existe aussi un souci avec les tempêtes qui sont une conséquence aussi du règlement climatique. Et en Gironde, nous avons souffert de plusieurs tempêtes. Et donc, nous savons bien que ce sont des choses qui découlent aussi de ce changement climatique. Selon les estimations du GIEC, 30% de toutes les espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction si le climat se réchauffait par rapport à de 1,5 à 2,5 degrés par rapport à 1850. Par la suite, d'importantes fonctions des forêts pourraient disparaître, telles que la protection des érosions du sol ou la biodiversité de la faune et de la flore, qui sont bien sûr sources de vie pour les populations locales. Près de la moitié de la forêt humide d'Amazonie pourrait se transformer en paysage désertique d'ici 25 ans, beaucoup plus proche de nous en Gironde. La forêt du Ciron, ici localement, donc à Préchac, la forêt du Ciron est menacée avec une étrée millénaire. Donc tous ces sujets nous touchent presque, je veux dire, personnellement. Et je crois qu'il faut savoir s'enrichir de tous les intervenants ont parlé à la fois de diversifier les essences, régénération naturelle et aussi de travailler avec la recherche. Je crois que tout ça, c'est important aujourd'hui pour avancer et sauver notre forêt aussi bien nationale que locale. Merci beaucoup. On va essayer ensemble. Du coup, on va essayer de répondre tous ensemble aux
la question finalement qui nous a été posée au départ, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concilier in fine la préservation de nos forêts, leur rôle de puits de carbone, la fonction de réserve de biodiversité et cette fonction est économique. Concrètement maintenant, comment on avance face au constat qu'on a partagé tous ensemble? On a plusieurs questions qui font référence finalement à la question des moyens aussi qu'on doit affecter aux forêts. On a plusieurs références au fonds de dotation Agir pour la forêt qui a été créé qui a été lancé par l'ONF l'année dernière. Plusieurs questions aussi sur qu'est-ce qu'on doit attendre du plan de relance pour lequel on a déjà un montant qui a été annoncé sur la question des forêts. Adine Favrel, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez et quelles sont les idées, les actions qui vous semblent importantes de mettre en œuvre pour la forêt française. Je pense qu'en effet, il faut mettre en place des choses et des choses sont déjà proposées. On a par exemple un plan de relance. Ce qu'il va falloir intégrer, une dimension qu'on oublie trop souvent, c'est la dimension sociale. C'est de renouer le dialogue entre citoyens et représentants de la société civile avec les forestiers, avec même l'État et à ses différentes échelles. Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, il y a déjà une incompréhension des mesures, des actions qui sont faites et qui ne sont pas forcément comprises de part et d'autre, finalement. J'ai envie de dire que ce soit par les associations de protection de la nature ou par les forestiers. Et en fait, je pense qu'il est important de renouer ce dialogue. Pour ça, il va falloir créer des espaces d'échange. Alors, il y en a qui existent, il y en a qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Faire de la co-construction, expliquer ce qui est fait d'un côté, s'il y a besoin d'adaptation, mais aussi associer, parce qu'on peut avoir, pour avoir cette vision globale, de prendre en compte l'ensemble des dimensions forestières et pas seulement la partie production de bois, avoir un regard un peu extérieur, ça peut apporter beaucoup de choses. Pour ça, on avait fait une proposition lors de notre rencontre avec la députée Anne-Laure Cattelot pour le rapport qu'elle va sortir, donc de créer des conseils territoriaux pour les forêts. Est-ce que ce sera des choses qui vont être mises en œuvre? En tout cas, d'essayer de créer une co-construction des espaces d'échange pour que les citoyens, les représentants de la société civile soient associés aux décisions, proposent leur vision et d'arriver à mettre en œuvre ces solutions que des fois on n'a pas, mais en tout cas d'y réfléchir tous, enfin qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais d'y réfléchir tous ensemble pour qu'elles soient acceptées, comprises et partagées par l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Madame Richter, du point de vue de l'ONF, qu'est-ce que vous attendez un petit peu? Comment vous pensez qu'on peut finalement répondre et gérer les arbitrages qu'on va devoir faire sur les différentes fonctions de la forêt? Alors, du point de vue de l'ONF, en fait, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on est face à une accélération des effets du changement climatique. Et d'une prise de conscience que les espèces n'auront plus, naturellement plus le temps de migrer ou d'évoluer, à l'échelle des enjeux de nos sociétés. C'est vraiment une question d'échelle de temps. Donc, côté ONF, ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est effectivement deux éléments assez clairs. D'une part, c'est la nécessité de passer à l'action, de ne pas être spectateur. C'est un réel enjeu. Et que face aux incertitudes, face à ces incertitudes très importantes, il va être important en fait de choisir des options de multiplication en fait des solutions d'adaptation des forêts. Donc, c'est deux éléments importants, passage à l'action et des actions faites avec des modes de diversification des opérations. Alors, concrètement, on dispose d'un certain nombre de leviers d'action. Donc là, typiquement, dans les zones en crise, la priorité, ça va être le renouvellement au peuplement. Donc, c'est les questions des plantations. Et effectivement, et là, je rejoins complètement ce que Mme Favrel a mentionné. Si on parle de plantation, c'est une nécessité en fait de bon dialogue, de dialogue important avec la société civile qui demande également de la forêt naturelle. Quelles sont les options qui se présentent à nous?
quelles sont leurs conséquences à l'échelle du territoire. Et donc là, ça passe effectivement par du dialogue, de la compréhension et de la décision. Alors, le plan de relance, qui est une formidable opportunité là, pour les acteurs forestiers, et c'est également un énorme challenge pour mobiliser les acteurs sur ces deux prochaines années autour de ce plan de reboisement. Alors, de manière plus générale, en fait, si on parle de plan de reboisement, on est dans des situations de crise, mais j'ai mentionné aussi tout à l'heure des actions de fond qui sont à engager pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Et ces actions de fond, je reprends un maître mot que j'ai déjà mentionné, c'est bien la diversification des modes de gestion. Derrière le terme de diversification des modes de gestion, ça passe par la diversification, la diversité des essences, raisonner les essences, raisonner les structures dans lesquelles on va gérer nos peuplements. Et tout cela en ayant en tête qu'on est sous incertitude. Donc il va falloir imaginer en fait des futurs, travailler sur différentes hypothèses et scénarios climatiques. Voilà, in fine, donner une multiplicité d'options pour pouvoir être résilient face aux évolutions. Alors les travaux de R&D qui ont été menés depuis ces dix dernières années, avec un partenariat très important, un certain nombre de ces travaux sont aujourd'hui matures. Et on met à disposition des gestionnaires, des propriétaires, un certain nombre d'outils de diagnostic de la vulnérabilité de ces peuplements, de réflexion, d'aide à la décision pour des choix d'essence, pour raisonner aussi un certain nombre de stratégies. Également des travaux qui aujourd'hui sont, je dirais, qui permettent également de pouvoir proposer et d'encadrer des actions visant à la migration assistée d'espèces, d'essences. Alors cela de manière raisonnée à nouveau et dans un sens de pouvoir disposer d'espèces de provenance qui répondent à des scénarios climatiques, des scénarios climatiques futurs. Et ça ne doit pas également oublier des travaux qu'on doit poursuivre et sur l'adaptation également de nos modes de régénération naturelle en gestion forestière. Alors ce passage à l'action, et c'est un maître mot, effectivement, il nécessite la mobilisation des réseaux d'acteurs, qui sont les gestionnaires, les propriétaires, mais la filière graines et plants, les entrepreneurs de travaux. Il y a des enjeux formidables de formation, des enjeux importants de dialogue avec la société civile. Et également des enjeux de travail avec la filière bois aval, puisque ce que l'on évoque va aussi impacter terriblement, va avoir des impacts importants économiques sur l'aval, sur l'évolution des ressources, sur l'utilisation des essences. Et là également, il y a du travail à réaliser. Merci beaucoup. Je crois que Madame la Secrétaire d'État va bientôt devoir nous quitter. Du coup, je vais vous donner rapidement la parole pour que vous puissiez... répondre déjà à tout ce que vous avez entendu et après je vous redonnerai la parole rapidement, Sophie Med, Vincent Naudet et Julia Grimaud. Madame la secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, évidemment, je suis très heureuse et hasard du calendrier, c'est une journée vraiment thématique puisque ce matin au ministère de l'Agriculture, Anne-Laure Cattelot nous rendait son rapport qui est plein qui est très très riche et je vous fais que du teasing. Je laisse le plaisir de le découvrir, mais vous allez voir qu'on retrouve tout ce qui a été abordé ce matin. Nous sommes ensemble et ce soir, je réunis le comité de pilotage de la SNDI, donc sujet qui a été abordé précédemment, je crois, mais qui est évidemment extrêmement lié à ces sujets. Donc, ravi parce que, effectivement, vous l'avez dit, la forêt, c'est vital. On a une urgence à agir. Et on est dans cette temporalité, malheureusement, qui, liée à la crise sanitaire, va nous donner des moyens d'amorcer quelque chose pour la forêt et pour la filière, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'on est dans le temps long, beaucoup plus long que la relance ou même que le projet politique. On est sur une gestion qui doit s'envisager et s'observer horizon de plusieurs décennies. Donc, je crois que c'est un enjeu qui est particulièrement intéressant aussi dans nos réflexions et dans cette réorientation, cette transition qui est à l'œuvre en ce moment, à la fois dans la gestion même de nos forêts et sur toutes les filières. Donc, cette action et ce travail commun, vous l'avez dit également, il repose essentiellement sur le dialogue. On est sur un écosystème, on est sur des partenariats. Je
crois qu'aujourd'hui, on voit tous très bien que on ne peut pas avancer les uns sans les autres. Les questions de biodiversité, de naturalité, de résilience au changement climatique, elles ne se conçoivent que dans une gestion raisonnée, donc qui embarque tous les acteurs et toutes les filières. Ces espaces, effectivement, de dialogue, il faut qu'on les recrée. C'est des choses qui vont sortir très, très rapidement, à la fois de la nécessaire réactivité qu'on doit avoir dans l'engagement des moyens du plan de relance, comme d'une manière générale vis-à-vis des sécheresses et des attaques que l'on connaît actuellement. Alors, Anne-Laure nous remet son rapport. Jean-François Mbaye vient de nous parler de la SNDI, Sophie, qui est membre du Conseil supérieur du bois et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au groupe d'études à l'Assemblée avec Rémi Rébérotte et Vincent Thiébaud, entre autres, et parmi d'autres, vous connaissez très bien ces sujets. Et on l'a vécu de plein fouet. Vous savez, moi, je suis haut-marnaise. Nous avons la fierté d'avoir vu naître, il y a quelques mois, le 11e parc national, le parc national des forêts de feuillus. On a cette fierté et on a aujourd'hui cette vitrine, ce formidable outil qui va être voilà, une fenêtre au niveau scientifique et un parcours de 10 ans de travail avec autour de la table les différents enjeux, les différentes filières, les différents acteurs de ce territoire et de la forêt, de la filière bois. On a pu mesurer les uns les autres à la fois les difficultés et les opportunités qui s'ouvraient à nous. Et là, ça m'amène à sortir un petit peu de mon champ pour véritablement plaider pour l'aspect économique de tous ces projets. Et vraiment, le fait de retrouver un équilibre dans la gestion de nos forêts entre ces aspects de naturalité, ces aspects environnementaux et ces aspects économiques, parce que comme on les voit à tout niveau, que ce soit à l'international, dans tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre la déforestation, si on n'accompagne pas, si en regard on n'a pas des projets de territoire, ça n'est pas pérenne. Et donc on a nécessité vraiment à prendre en compte tous ces enjeux et en premier lieu ces enjeux économiques. Et je crois que Sophie, Vincent, Naudet ne me démentiront pas quand on constate la difficulté de cheminer sur ces enjeux-là. Je crois qu'une des clés, c'est effectivement les données scientifiques. On a aujourd'hui déjà une grande fierté parce qu'on a une pratique, on a des établissements publics, des acteurs privés qui évoluent, qui bougent, et aujourd'hui des moyens qui vont pouvoir être mobilisés pour la recherche, des moyens supplémentaires. On connaît, Lidar, les enjeux qu'on peut avoir sur la couverture par ces données. On a également, vous l'avez dit, sur les variétés forestières et sur les pratiques, on peut s'enorgueillir aussi en Haute-Marne. Je fais une page de pub pour l'école de la gestion en futaie régulière, dont je suis très fière, entre autres choses, parce qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'aborder les sujets qui vont être ceux des couperases, par exemple, où on a une dimension très émotionnelle. Et c'est là qu'on se rend compte, quand on peut se poser la question de notre attachement ou pas, de notre proximité à la nature, quand on voit les réactions, quand on voit la place que ça prend dans le débat public, cette émotion, on sait à quel point on est connecté à nos forêts et à quel point ça fait partie aussi de notre identité et de l'identité française. Donc, on a un formidable champ qui est toujours ouvert, à la fois d'expérimentation avec des enjeux de résilience énormes, des enjeux d'emploi. C'est vraiment toute une filière qui va pouvoir évoluer et bénéficier, on l'a dit, d'un gros coup de pouce dans ce plan de relance. Alors, avec des sommes dont je peux vous donner une idée un petit peu des masses budgétaires, mais on n'a pas d'arbitrage encore, et pour cause, je pense qu'il faut qu'on le construise, vraiment, qu'on construise, que ce travail de priorisation, de hiérarchisation, il doit se faire ensemble. Donc, ça va être les tout premiers rendez-vous qu'on va se fixer dans les prochaines semaines et les prochains mois pour opérationnaliser ces fonds et ces moyens. Il faut d'abord réfléchir en termes de besoins et de priorisation.
On a donc ce gros volet de replantation, de reconstitution qui va effectivement constituer une grosse part de l'enveloppe budgétaire dans l'investissement sur une enveloppe de 150 millions pour des reconstitutions de forêts touchées. Alors on a vu par exemple les forêts Grand Est ou Bourgogne avec les question de scolite, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. BPI France qui va s'investir également sur le fonds bois 3 qui va permettre d'accompagner les entreprises dans leur transformation aussi et dans l'évolution de notre outil productif dans la transformation. La recherche, on l'a vu avec l'IDAR et la recherche sur les graines et plantes qui peuvent être aussi concernés par une enveloppe conséquente. Hein, on parle de, grosso modo, je vous dis absolument pas d'arbitrage, hein, ce sont des masses, mais de 25 millions qui pourraient être fléchés là-dessus. Donc, on est quand même sur des leviers tout à fait conséquents. Et notre responsabilité, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment de construire ensemble cette réponse et de trouver la meilleure efficience et la plus grande réactivité, puisqu'effectivement, ce sont des autorisations d'engagement. Et pour ceux qui travaillent sur les fonds de DECI et autres DETR, on sait que malheureusement, des fois, les moyens existent. Il faut pouvoir les mobiliser. Avoir l'ingénierie et ce travail de coordination et de cette volonté d'avancer ensemble qui est aujourd'hui, effectivement, je pense vraiment de l'ordre de notre responsabilité. Voilà. Je n'oublie pas, et vous le constaterez au fil des mois, la dimension très transversale et donc très interministérielle qui nous incombe au gouvernement. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à une incarnation de la forêt dans l'organigramme gouvernemental. Le choix qui a été fait, c'est un travail interministériel avec un délégué qu'on va donc proposer d'installer, qui sera rapproché au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Cohésion des territoires, en lien évidemment direct avec le ministère de l'Agriculture. Donc, on souhaite effectivement avoir vraiment ce travail interministériel resserré et renforcé. Et c'est quelque chose qui, voilà, il faut qu'on trouve aussi ces espaces. Je pense vraiment qu'un des premiers moments où on peut se retrouver, et c'est quelque chose qu'on a partagé avec Anne-Laure Cattelot ce matin et avec le ministre de Normandie, un des premiers sujets, un des premiers moments sur lequel sans doute nous devons nous retrouver dans l'urgence pour définir des priorités, c'est sans doute sur l'aspect des essences et sur ce gros volet de 150 millions qui va être fléché sur la reconstitution de nos forêts. Pour être soutenable, on doit effectivement décider ensemble en fonction des territoires, en fonction des contextes, comment on évolue en termes d'essence aussi pour être véritablement dans cette vision d'adaptation à la fois au changement climatique et aux aléas qu'on a pu évoquer ce matin. Voilà, en substance, c'est rapide et ça ne fait que ouvrir en fait une longue conversation dont je me réjouis avec vous. Merci à tous et merci à Anthony Sellier pour ce beau format des 24 heures d'e-climat, I4C, FNE, évidemment tous les acteurs qui travaillent au quotidien sur ces questions, aux parlementaires mobilisés et très volontaristes. Merci à tous. Merci beaucoup. On est déjà au-delà du temps qui nous était imparti, mais je voudrais donner 20 secondes la parole aux trois intervenants qui n'ont pas encore pu parler. Donc d'abord, Vincent Naudet, un tout dernier mot. Alors moi, je voudrais très rapidement dire qu'il ne faut pas oublier le travail qui a été fait par les centres de recherche dans les années passées, donc de dépouiller ce qui a été fait par la FOSEL, maintenant devenue FCBA, l'INRA, etc. Il y a des essais qui ont été installés depuis plusieurs dizaines d'années et qu'il convient de dépouiller avant d'en mettre en place de nouveaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point très important sur lequel je voulais insister, c'est l'adéquation de l'offre à la demande. Il faut que ce qui va être fait dans l'amont pour la forêt soit aussi accepté et plébiscité par l'aval, parce que n'oublions pas que la fonction économique de la forêt, c'est elle qui finance tout le reste. Alors, il y a des subventions qui viennent ponctuellement améliorer les choses, mais il faut qu'on crée un système qui soit
à la fois résilient, mais aussi économiquement viable. Et c'est important que la balle soit mise dans le coup pour les choix qui vont être faits au niveau national. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia Grimaud. Vraiment en un mot, pour qu'on puisse après avoir un dernier mot de Madame la députée. Oui, alors en un mot, moi je voulais juste rappeler juste la question des horizons de temps, à savoir qu'effectivement en forêt, on réfléchit sur des horizons de temps qui sont longs, de plusieurs décennies, voire plus de 100 ans, et que là, le climat nous oblige aussi à penser les conséquences du coup des pratiques sylvicoles, etc., de nos actions en forêt à un horizon plus court, qui est grosso modo 30-40 ans, enfin grosso modo l'horizon 2050. Donc je voulais rappeler l'importance en fait quand on agit, alors plutôt à l'échelle du massif ou de la parcelle, hein, que l'action effectivement va se décider à l'échelle locale, on n'a pas des forêts, et qu'à cette échelle-là, c'est important d'essayer d'évaluer l'impact en termes de climat des actions qu'on va mettre en place en forêt, et pas seulement à très long terme, mais aussi à un horizon qui est celui des politiques climatiques. Voilà, qu'il y a des outils qui permettent de le faire et de donner les incitations pour aller dans ce sens-là, et que, on va dire, la reconstitution des peuplements dégradés, et justement ce qui est aussi ciblé dans le plan de relance, rentre aussi là-dedans, d'aller vite en fait, sur des actions sans regret, dont on sait qu'il y aura un impact positif. Il y a toute la transition de long terme à penser, mais il faut aller vite sur tout ce qui est sans regret, et voilà, et ne pas hésiter. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous donner le mot de conclusion, Madame la députée, sachant que la secrétaire d'État nous a fait comprendre qu'on n'était qu'au début, hein, finalement, du dialogue entre acteurs autour de ce sujet-là. Merci à vous. Merci bien. Moi aussi, je me permettrai de remercier Anthony Cellier qui a organisé ces 24 heures du climat, parce que je pense que c'était très important, et c'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir en parler, de créer ces tables rondes sur tous les sujets que les auditeurs vont pouvoir aborder aujourd'hui. Moi, je ne peux que rebondir sur ce qu'a dit Bérangère Abba, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un travail de concertation. Vous l'aurez compris, il y a des députés qui sont très engagés sur ce sujet à l'Assemblée. Nous avons aujourd'hui une secrétaire d'État qui a envie que les choses se passent dans la concertation, et elle n'oublie pas, elle l'a dit, le dialogue, elle n'oublie pas la biodiversité, la naturalité, et elle n'oublie surtout pas l'économie que représente la forêt et ses emplois. Donc elle a ouvert la porte sur des tables rondes, elle aussi, et de pouvoir travailler à la fois de manière assez rapide, parce qu'il faut mettre en place le plan de relance, et vous l'aurez compris, les choses sont aussi à travailler en concertation, et savoir travailler aussi sur un temps long, parce que la forêt ne se construit pas en un jour, et qu'effectivement il faut penser à demain, même et à après-demain pour les générations futures. Et donc là aussi, la recherche est importante, et voilà, je crois que nous avons la chance, on a abordé tous les sujets, je crois, ce matin, et ça augure un bel avenir pour la forêt française. Merci. Merci beaucoup, et à très bientôt à tous. Au revoir.